Salut à tous les connectés, aujourd'hui on se pose donc pour un nouvel épisode sur Batman Arkham Knight. Donc la dernière fois en fait, j'ai pas vraiment avancé du coup, puisque j'avais dit que normalement je faisais des épisodes coupés. Et j'ai pas eu le temps de me mettre encore sur le jeu, donc du coup on fait directement la suite cette fois-ci. Je pense d'ailleurs que je ferai... Ah tu vois, il y a un nouveau Joker, j'aime bien comment il est calé. Oui, donc du coup je pense que je ferai que des... À partir de maintenant je pense que je ferai des épisodes vraiment suivis, parce que comme je vois que Dying Light ça commence à être la fin, je pense que je ferai finalement quand même un let's play complet de ce jeu, quoi. Enfin sur tout ce qui est principal, quoi. L'histoire principale. Attendez, j'ai juste aller voir déjà ce qu'il faut que je fasse parce que je sais plus. Sauver Oracle, ça, si j'ai compris, je rejoindre la Batwing pour équiper. Allez voilà, on va aller chercher donc la nouvelle, le nouveau truc de la Batmobile, et après on va chercher donc Barbara. Ouais, ok, c'est bon, ça roule. J'atterris doucement, moi. Chef, nous pourchassons un avion qui fonce vers Grande Avenue. Ce truc vient de virer à 180 degrés avec une pointe à 12G. Je connais personne capable de faire ça. Moi si. Vous connaissez ce que c'est que partir en guerre. Ouais. Ah, c'était le virus que j'avais pris la dernière fois, donc. Ok, il faut maintenir pour le piratage. Attends. Je voudrais en fait prendre le... Ok. Je peux pas pirater tous les... Alors je peux peut-être en pirater qu'un seul à la fois. Je sais pas trop... Oh putain, je sais plus comment on joue. Ça fait trop longtemps les mecs, ça fait trop longtemps. Mais j'ai pas joué. Ah, il y en a au moins. Ta gueule. Je suis au milieu de lui tirer là cette fois-ci. Wow. Allez, voilà, je vais voir. C'est une fois qu'ils sont. Si le dernier c'est un de tes alliés, je vais voir s'il est explosé. C'est bon. Comme vous l'avez demandé, on dirait que Maître Grayson enquête sur le sujet depuis un moment déjà. Bien. Dites-lui de m'envoyer ce qu'il a. Il insiste pour vous voir en personne, monsieur. Il est parti de Bloodhaven avec les informations requises. Il vous retrouvera sur le toit qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Merci, Alfred. En attendant, monsieur, si l'on en croit les analyses, le chevalier d'Arkham a posté ses lieutenants dans les transports blindés répartis à travers la ville. Nous avons l'un de ces véhicules en ligne de mire. Si vous voulez intervenir pour l'éliminer de l'échiquier. Ok, bon. Ouais, hop là. Nightwing. Alors, encore en train de rôder sur les toits? Tu n'aurais pas dû venir. Pas ce soir. Tu plaisantes ou quoi? Quand j'ai su pour Barbara... North Refrigeration. Dis-moi ce que tu sais. Le pingouin fait sortir des armes de Bloodhaven dans des camions frigo. Je pense qu'il stocke les armes ici, à Gotham, mais la question est où? Cobblepot est notre meilleure piste pour Barbara. Il faut que je trouve cette planque d'armes. Si je peux intercepter un camion, il me mènera droit à eux. Si seulement tu connaissais quelqu'un qui a noté leur trajet. Quoi? Tu pensais quand même pas que je viendrais là sans avoir un plan? Je m'en occupe. Il faut que tu regagnes Bloodhaven. Allez, Bruce, laisse-moi t'aider. Tu peux pas tout faire tout seul. C'est trop dangereux. Je ne veux pas perdre qui que ce soit d'autre. Bloodhaven te réclame. D'accord. J'ai compris le message. Si tu veux garder un œil sur ce camion, utilise ça. Tu as sous les yeux un prototype dernier cri. Le vieux Fox s'est surpassé sur ce coup. A bientôt, Bruce. Ok, cool. C'était cool d'avoir un petit, petit Nightwing là, qui est arrivé. C'était cool. Bon. Je peux désactiver leurs armes grâce à la fonction sabotage du brouilleur. Alors, le brouilleur. Non, c'est ça. Il y a le brouilleur. On va tester ce truc. Trois qu'à trois tirs. Je dois bien choisir mes cibles. Où est le piège? C'est quoi ça? Munitions sabotage, d'accord. Bah c'est pas compliqué, de toute façon j'ai trois cibles disponibles, donc j'ai trois tirs, alors c'est parti. Comment je tire? L'arme est neutralisée. Pardon. Si j'utilise à nouveau le brouilleur, elle explosera au tir suivant, assommant l'utilisateur et renversant tout le monde à proximité. Oh non, ça m'intéresse pas. Je vais tout brouiller plutôt.
La caisse est électrifiée. Ceux qui essaieront de se ravitailler vont avoir un choc. Parfait. Ça y est, j'ai saboté l'équipement. Je n'ai plus qu'à me présenter. Banzai, salut les cons. Et j'en ai choisi 4, hein. j'ai débloqué la quatrième personne que je peux faire avec ce truc là. Ah, c'est un balèze. Il va prendre cher. Pan. Allez, pan ta gueule. Wow. Et c'est chier, voilà, ça c'est réglé. Des mâchoires cassées, j'aime bien ça, moi. Fracasser les dents. Voyons, un camion rempli d'armes et d'explosifs. Je peux utiliser la fonction pistage du brouilleur pour marquer le véhicule et le suivre dans Gotham. Je ferai mieux de marquer le camion avant de surprendre les hommes à l'intérieur. Ouais. Avec ça, je peux. Ah ouais, d'accord. Il est marqué. Je n'ai plus qu'à les motiver un peu pour qu'ils me mènent à leur repère. Qui c'est? Qu'est-ce que t'as oublié? C'est Batman. Non, c'est Batman. La subtilité marche à tous les coups. En restant sur les toits, je pourrais les suivre jusqu'au dépôt d'armes cachées du pingouin. Ils sont où? Ah, ils sont là. Que le boss veut nous parler. J'ai vu un putain de sniper ou de je sais pas quoi. J'étais en train de tomber sur lui. Vous voyez ma chaîne rouge là? C'était lui là. Qui il m'a. J'ai failli te marcher dessus, Joker. Ça c'est cool, n'empêche, parce que le Joker, en fait, peu importe aux endroits où vous allez en fait vous déplacer dans la ville, il y a un moment où il va spawner, il va sortir une phrase à la con. Je l'ai vu ça des fois, je l'ai vu ça quand je, la dernière fois. Si vous vous déplacez en fait n'importe où, vous vous posez à des endroits, et des fois il est là, il vous raconte des conneries. Ah non, c'est une tourelle. C'est une tourelle, cette merde. Pourquoi il faut faire comme ça? Bon, tu me diras, au moins elle est morte, parce que sinon... je me suis gouré là, je crois. C'était un peu n'importe quoi. Voilà. Alors, qui c'est qui en a? Le toit est lourdement protégé. Ça doit être le repère du pingouin. Il s'agit sûrement de l'entrée. Mais je dois d'abord sécuriser la zone. Oh merde. Fuck. J'ai coincé comme une merde. Ah, je me suis mis comme une merde. Ouais, je pensais juste rentrer discret, quoi, sans avoir à tabasser tout le monde. Je suis une quiche, moi, en fait. Je sens que ça va prendre du temps, tout ça. Bon, faut que je nique cette tourelle de merde. Je peux pas la niquer, elle. C'est un monstre. Voilà. Ça y est, j'ai la tourelle niquée. Toi, tu vas rien comprendre. Mon Dieu. J'avais pas le temps de dire quoi que ce soit. J'ai eu chaud là. Voilà, c'est bon. Ouais, t'es lourdement gardé. Il s'agit sûrement du point d'entrée. J'ai eu chaud quand même. Mais ça va, c'est passé. Envole-toi, connard, crève pas maintenant, putain de tourelle de merde.
Putain, la tourelle fixe. Je l'ai pas l'air dégommée, celle-là, faut que je la dégage. Je vais la dégommer parce que là. Je veux être tranquille. Putain, j'ai plus pensé à cette tourelle de merde qui restait, bordel. Je suis une quiche. Ah, c'est le Joker. Allez, fais quelque chose. Tu me fais un peu honte, là. Le Joker qui en chie à rentrer. Vas-y mec, t'as vu, il faut dégager tes trucs. Non, tu m'as dit, c'est mon billet casse-casse, vire ton pied. Regardez, les jolis petits. Ça va péter. 3, 2, 1. Coucou. Le chevalier d'Arkham, Barbara Gordon, dis-moi où ils sont. Alors c'est elle la captive, la petite fille chérie des commissaires. Ouais, j'ai pas le temps. Oh. Je vais briser tous les os de ton corps, Cobblepot. Ils allaient voir. Ça me va, moi. Simon Stagg. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique ou un truc comme ça. La ferme, enculé. Laisse-moi causer, je parle à ton patron. Mais viens, ne me mens pas. Non, je te jure, on dit qu'il va quitter Gotham. Il faut quoi les mecs? Ah, ça y est, on s'entraîne les flingues. Voilà. Ça ne servira à rien. L'épouvantail va te détruire. Tu es fini, Batman. Tenez-le bien, les mecs. J'ai bien bossé mon crochet. Admirez ça. Je vais lui démonter la tête d'un seul... Oh, Nightwing. C'est comme ça que tu gères la situation? T'en fais pas, c'est la moindre des choses. Je vais te... Oh, y a du monde, n'empêche. Hein, ah, c'est vrai qu'on peut faire l'élimination du haut. Ouh, putain, ça fait du Puchimbo. Hein. Oh, c'est nickel, je trouve combat de monde. Je suis avec Nightwing. Non, je l'ai pas testé, moi, dans le Arkham City, par contre, celui-là. Castagne, il rechange. Et bim. C'est comment tu peux les... Oh, le poum. Tiens, connard. Eh, tiens, toi aussi! Eh, voilà, c'est moi qui me finis le dernier, nom de Dieu. C'est moi le boss. Aucune de ces armes ne doit arriver dans les rues. Cet entrepôt doit être détruit. Boss, tu dois me laisser t'aider. J'avais les choses en main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi, Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être pour aider. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. Il doit avoir d'autres dépôts cachés dans la ville. Cherche des indices ici qui pourraient nous permettre de localiser d'autres camions réfrigérés du pingouin. Espèce de minable. Le moment est venu de lui régler son compte. Non mais franchement, je parle même pas du monocle. Il croit sûrement que ça lui donne l'air plus menaçant. Là. Voyons, nous avons là tout un tas d'explosifs. Tu as du gel explosif? Pas besoin d'être le meilleur détective du monde pour faire le rapprochement, là. Et reste dedans, le Joker. Et qu'est-ce que tu fais, Batou? S'il te plaît, m'enferme pas là-dedans. Je ferai ce que tu voudras. T'as besoin de faire une machine, je m'en occupe. Si je vais dans le train, pas de problème. Je voudrais pas être à la place de ce type. Je dois m'éloigner davantage avant de déclencher l'explosion. Il me fait triper, franchement, le Joker, lui. Voilà, ouf, petit. Wouh. Non, mais c'est cool. Franchement, c'est cool. J'adore trop le côté, ouais, on... Que le Joker est vraiment avec nous tout le temps et qu'il te sort des conneries. Ça, je trouve ça vachement cool. Je vais chercher Barbara. Je te contacterai dès que j'aurai repéré un des camions du pingouin. Merci, Dick. J'apprécie ton aide.
Ça sert à ça, les amis, Bruce. Alors, voyons un peu comment ça se présente. Dis donc, c'est une bonne vieille embuscade. Oh, oh, oh. Attends ici, Batou. Laisse donc ton cher oncle Joe se charger de ces imbéciles. Je vais y arriver, même si ça fait longtemps. Je suis peut-être un peu rouillé. Attends, il se fout de notre gueule, là, le Joker. Admirez mes techniques de Joker. Ça va être formidable. Ils vont même pas me voir venir. Je vais... Enfin, tu vas voir. Tu vas faire quoi? T'es dans ma tête. Cible aperçue. Sortons par le toit. Tenez vos positions et attendez les ordres. Les tourelles l'ont en ligne de mire. C'est parti. Tirez. Peu à volonté. Il est con. Il est con, Joker. T'es con, Joker. Les deux tourelles, je trouve qu'ils posent aussi, moi. Alfred, qu'est-ce qu'on sait sur Simon Stagg? Voyons. PDG de Stagg Enterprise, une société spécialisée en recherche et développement médical de pointe. Je suis en route pour les dirigeables de Stagg. L'épouvantail s'y rendait et c'est la seule piste qu'on ait pour retrouver Barbara. L'analyse des menaces indique que Founders Island est couverte des lance-missiles et des radars longue portée de la milice. La Batmobile sera détectée et prise pour cible dès que vous aurez franchi le pont. Ne vous en faites pas, Alfred. Je vais y aller à pied et rester sur les toits. Essayez de me trouver les plans de ces dirigeables. Tout de suite. Bonne chance, monsieur. Il y a des drones, c'est quoi cette merde? Est-ce qu'ils vont voir? Tout se passe bien. De toute façon, je préfère patrouiller que fuir le gaz de l'épouvantail. La milice s'est emparée du dirigeable de Stagg et a établi une tour de guet munie de tourelles. Ouais. Elle semble être contrôlée depuis ce poste de commande centrale. Ok. Je dois le neutraliser. Ce soldat est muni d'un appareil qui peut tracer le système du mode détection. Si je l'utilise trop longtemps, il me localisera et alertera les autres. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est un truc, au moins on n'est pas trop craqué. Bon, il va falloir faire... Va falloir faire à vue donc. Sachant que j'ai un drone, je me dis c'est quoi ce bordel, il y a trop de trucs. T'en as vu, connard, t'en as vu. Hop là, toi t'es mort. Bon, j'en ai déjà dégommé. Hein. Bon, on va dégager le. On va dégommer le drone, bon. Easy, justement. You're dead. Top là, toi t'es mort. Et voilà, et là normalement... J'ai plus... Voilà, le mec qui m'emmerdait le plus, semble. Donc maintenant je suis tranquille, je peux faire toute ma petite poupette, ton petit... Je peux tous les faire. On peut rien faire pour lui. On se disperse. On se venge. On se venge. Tu peux pas te venger du Batman parce que t'es déjà mort. Le mec il a rien vu. Le mec il a rien vu, rien entendu. Ninja. Bon bah tranquille. Un petit graffiti. Vas-y graff. Le mec m'a fait péter à côté de moi quand même. Et boum. Bon. Je suis près des dirigeables. Qu'avez-vous trouvé? Eh bien, selon les plans d'origine du vaisseau, une trappe de service devrait être accessible sur le dessus de l'appareil. Il semblerait que Monsieur Stagg farouche les recherches. La sécurité doit être très élevée. Merci, Alfred. Où en est le dispositif de piratage à distance? Je vais bientôt en avoir besoin, Lucius. L'intuition devrait faire partie des prérequis pour ce travail, Monsieur Wayne. Je charge le logiciel de décryptage sur le dispositif dans le coffre du Wayne International Plaza. Vous pouvez le récupérer de là-bas. Ok, bon.
C'est bien mon œil. C'est bien ma main. C'est bien mes couilles. L'écoutille est verrouillée de l'intérieur. Si je trouve le panneau de contrôle, je pourrai forcer la sécurité grâce au dispositif de piratage à distance. Il est là. Oh, genre, toujours pareil ça. On a un peu changé, mais bon. Biochoc. Non. Biochimiste. Bon, on est dans le dirigeable. Il a l'air super classe. Hé, hey, tu fais quoi? Juste une petite démonstration. Comme tu peux le voir, les systèmes de visée et de manœuvre sont quasi... Ces soldats utilisent un drone automatisé. Si j'arrive à pirater la télécommande du garde et à télécharger les codes, je pourrais retourner le drone contre eux. Tu risques rien. Par contre, quand la lumière est rouge, c'est qu'il te prend pour cible. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas? Tu cours te mettre à couvert. Maintenant que j'ai les codes, je vais pouvoir retourner le drone contre eux. Sérieux? T'es craqué, mec, en fait. Et écoute ta démo. Protégé. En protéines. c'était pas ça. Maintenant, je devrais pouvoir contrôler complètement le système de stabilisation du dirigeable. Par contre, le dispositif de piratage ne fonctionnera qu'à portée d'un terminal de contrôle. Wow, ah ouais, d'accord. What? Je fais quoi, en fait? Je sais pas, j'étais en train de... Ça tangue, hein, chez moi, hein. J'incline, ça tangue. Je crois qu'on va être malade. Sérieux, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je veux que je fasse quoi là? Ah d'accord, ok, j'ai compris. Oh punaise. J'ai compris à quoi ça servait. Ils ont mis des insectes. J'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça. Ok, là je suis mal. Vas-y, fight. Wow. Ah putain, là. Ah. Je vais te remettre dans la gueule! Je t'en mets dans la gueule! Je t'en mets dans la gueule! Voilà, il est séché. Et non, il était pas si costaud que ça. Le truc, c'était. Il fallait bien éviter ses coups. Élémentaire. Élément. Ouais, j'étais pas loin. On se fait un motus en fait. Ces soldats tiennent Stag. Et vu son état, il n'en a plus pour longtemps. Ouais. Je dois le sauver. Où sont les fichiers? Je ne vous dirai rien. Tu veux qu'on coupe les doigts? Pas de problème. Alors, d'abord, analysation du terrain. Donc, j'ai aucune planque, aucune machine. C'est tu rentres dans le tas, il faut castagner. Il n'y a pas d'arme. Non, j'ai pas d'arme à feu, donc c'est que du combat pur. Et là-bas, je dois avoir un truc à pirater, un truc à activer. Ok, donc c'est que du labaston. C'est parti. Moi je vais en chier, il y a du monde. Ah voilà, c'est bon, j'ai éliminé le pire. Mais je suis vraiment mal en plus, moi. Ma vie elle est super basse. Oh, ça va être chaud. C'est chaud, mais ça se fait. Faut que je me concentre. Il reste plus grand monde, il reste plus beaucoup. J'ai miné le pire, c'est bon. Oh
Oh nickel. Oh j'ai eu chaud. Moi oh, j'ai eu chaud. Moi oh, j'ai eu chaud. Oh putain. Merci. Ils allaient me faire la peau. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Ces brutes ont juste débarqué et ouvert le feu. Ils voulaient récupérer ces cylindres. Des générateurs Nimbus. Une cellule énergétique entièrement propre sur laquelle on travaille. Où est l'épouvantail? Sur le deuxième dirigeable. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec lui? Oh, vous pensez à Barbara Gordon? On sait tous les deux qu'elle est sûrement morte. Pas vrai, Bottom? T'as ta farce de merde, enfoiré. Déjà dit, ils entendent se marrer dans un coin là. Bon! Tu me fais quoi là? T'es en douce, je te défonce! Wow! C'est quoi ce truc de merde? C'est le Joker, il me fait une farce, non? Wow! Ah non, d'accord, c'est le Joker qui me fait une connerie. Enfoiré! Je vais me lever. Ah, je peux le taper! Attends, défouloir là! Défoulement, Joker! Allez, bim! T'en prends plein la gueule! Ça sent pire! Ça sent pire! Mon état. Là, j'en ai pas plus. J'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs maintenant de Joker dans la tête. Wow. D'accord, il y a les tourelles. Dormi. Ils ont emmené Stack voir l'épouvantail sur le deuxième dirigeable, mais il est protégé par des tourelles. Un petit instant, monsieur. Bien. Les plans indiquent qu'un terminal de sécurité se trouve dans le laboratoire de recherche à l'arrière du vaisseau. Il devrait vous permettre de désactiver les tourelles. Oh, il y a Joke. T'enfoiré! Tu m'as fait chier! Enfoiré! Presque, Patton. Je t'ai presque senti perdre le contrôle. Encore un peu de ce délicieux gaz de terreur et tout sera fini. Pour toi. Enfoiré! Toi, ça t'arrange, hein, salopard, que je suis un peu motif fou, hein, saloperie. On va par là? Ah, ok, ça y est. On est rentré dedans. Oh punaise, je vais m'amuser. Attends, mais il faut que j'incline le truc. Attends, comment ça marche? J'ai bien compris que... Mais comment je l'incline déjà, ce machin? Je suis perdu. Je suis perdu là-dedans. J'ai bien compris que ça, il faut que je les fasse, que je les bouge. Je l'ai, le truc pour diriger le dirigeable, normalement. Mais je comprends pas pourquoi je peux pas le faire bouger. Ça, je comprends pas. Attends. Ah ok, ça y est, eh ben punaise, j'en ai, c'était tout con. Bon, on reprend. Alors, il faut que j'aille là-bas, donc. Alors. Toi, tu bouges pas. Toi, on retourne là-bas. Voilà. Tu ne bouges pas. Attends, toi, tu vas là-bas, tout le monde va là-bas. Oublie. Voilà, tu bougeras plus. Mais non, c'était pas compliqué, j'avais bien compris le truc. Ce truc, c'est que j'avais bien compris quand il fallait que j'y mette prêt, que je fasse la manip, mais. Mais je savais pas comment je me démerdais pour avoir le truc pour incliner le dirigeable. Écoute, à propos de ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas toi que j'essayais de tuer. J'en avais après ton esprit. Alors, toujours ami. Toi non, t'as l'enfoiré. Ami pour la vie. Et puis c'est pas ma faute. C'est celle de l'épouvantail avec sa potion miracle jokerifiante. Jokerifiante. J'aime bien le terme. J'ai éliminé les deux plus chiants. C'est parfait. Ça commence à être de la panique un peu les mecs, hein. On commence à cliquer des fessiers, hein. On commence à cliquer du cul. Hein. Et voilà, c'est réglé.
Maintenant que la voie est libre, je peux utiliser cette console pour désactiver les défenses du dirigeable. Personne ne bat Batman. Personne. Un scanner limite l'accès au système d'armement uniquement aux empreintes digitales de Stagg. Sans ces empreintes au complet, je ne pourrai pas entrer. Les caméras de vidéosurveillance me seront peut-être utiles. Je devrais analyser la vidéo pour voir si les mains de Stagg ont touché quelque chose pendant l'enlèvement. Oh punaise, le truc bien là, chiant. Je pourrais peut-être reconstituer ses empreintes. Il a touché cette rampe quand il s'est redressé. Il me faut plus d'empreintes pour finir la reconstitution. Tu veux quoi, tous les doigts à force? Allez, à coup sûr, on tabasse la gueule. Stagg a laissé une empreinte près de la sortie de la pièce. Je sais où Stagg a laissé ses empreintes. Je n'ai plus qu'à scanner ses emplacements. Oh punaise. Ok. J'ai toutes les empreintes. Je devrais pouvoir accéder au système informatique de Stagg maintenant. Tu vas utiliser la construction des empreintes de Staggy pour accéder à l'ordinateur. Quelle idée brillante, Batman. Dis donc, juste après, on pirate son compte sur rancard.com. Je ne peux pas désactiver les tourelles de l'autre dirigeable à distance, mais je peux contrôler les tourelles de celui-ci. Et bim. Voilà. On est peinard. Les armes ne sont plus un problème. Passons à l'épouvantail. Stéthoscope, non. Stéphane. C'était Roll, merde. Oh, un nouveau baston. Qu'est-ce que tu m'as fait, bordel? C'est pour t'aider, idiot. Maintenant, celui qui le touche, il se prend 1000 volts. Les tenues de combat de la milice peuvent libérer une charge électrique temporaire. Je ne peux pas les frapper tant que c'est le cas. Oh putain, ça va être la merde. Aïe, 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 putain, ça fait pas du bien. Boum, boum, aïe, connard. Ouais, c'est les blancs en fait, faut dégommer les blancs. C'est bon. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Wayne, mais une autre amélioration pour la voiture est disponible si vous êtes intéressé. C'est toujours bon. C'est moi qui choisis encore, générateur d'un machin, et ça c'est quoi, IEM? L'impulsion électromagnétique neutralisera les véhicules à proximité ainsi que les missiles en approche. C'est l'arme idéale dans les situations délicates. Ouais, je vais me prendre ça. Excellent choix, monsieur. Rien de mieux qu'une petite explosion électromagnétique pour se dégager un peu d'espace. Pas d'inquiétude, la Batmobile ne craint rien. Bon. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que là, je crois qu'il y a pas mal de choses du coup qu'on a vu. Enfin, qu'on a vu. Puis bon, il y a eu pas mal de combats et compagnie. En plus, moi, j'ai un peu galéré du coup. Enfin, bref. Ouais, on se retrouve du coup pour un prochain épisode. Apparemment, le prochain va être encore bien assez sympa. On va aller peut-être rencontrer l'épouvantail ou le chevalier à nouveau. On va le affronter à nouveau. Donc, ça va être cool, je pense. Donc, bon. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, sinon, j'espère vous voir à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Et enfoiré, t'as kiffé la vidéo? Alors, si tu veux, tu peux monter une autre, c'est juste là. Et par contre, si tu veux aussi nous suivre sur Facebook, le lien est dans la description. Et si tu veux t'abonner, t'as plus qu'à cliquer sur moi. Par contre, je te préviens, c'est pas une chaîne polémique. Si hein, ça saigne, on baise, et du cul, on fait que jurer.